Hey yo, j'espère que vous allez... Attends, je suis trop bas là, ça va pas. Deux secondes, c'est comme si j'étais pas là. Nickel, j'espère que vous allez bien. Moi ça se peut aller. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va terminer ce putain de jeu là, parce que j'en ai ma claque en fait. On va le finir. Et pour ça, bah, comme j'ai pas réussi hier à... Enfin, hier... Le dernier stream, comme j'ai pas réussi à passer la salle, la fameuse salle avant d'arriver dans les derniers boss, parce que bah, j'ai pas le niveau, j'ai pas les capacités, etc. On va débloquer 2-3 trucs un peu craqués, puis on va finir le jeu, parce que je commence à en avoir marre un petit peu. Hein. L'histoire est bien, mais le gameplay est vraiment lourd. Quoi. On va finir ça tranquillement. Qu'on aille jusqu'à coup Pégase, sortirait El Disco Bolos. On va se blinder d'objets. On va chercher la fameuse Rafa X. Histoire que ça se passe dans le plus grand des calmes. Alors lui il va saouler. C'est bien passé en fait. On va éventuellement chercher des bonnes armes aussi. Et un bon équipement. Même si déjà je me fais chier à faire machine arrière, autant y aller pour que la deuxième fois soit la bonne. Prévenir mes millions de fans que je suis en stream, si se répète qu'ils loupent ça. Surtout qu'apparemment, on se marre bien. On se marre bien quand je suis en train de rager comme un gros porc. Du coup, ça fait con quand je mets pause parce qu'il n'y a plus de musique. Mais ça va revenir. Juste, je vous demande un peu de patience. Ça va revenir. Plus machin là ça voilà, ok, c'est parti. Truffe bleue. J'ai jamais su comment est-ce qu'on battait ces trucs là. Oh, c'est Claude. Rapide, efficace. Merci Claude. Le mec m'a one shot en fait. Hein. Brr, pop.
Où est-ce qu'il est, lui, encore? Ok. Doum, 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 doum. La truffe bleue. Voilà, j'ai jamais compris comment ça marchait. C'est pas grave. Claude! Bon, cette fois-ci, on va faire un petit peu plus attention. Oh là là! Putain! Qui m'a donné cette idée de merde de faire les colisées là? Putain! Oh, ça me souvient. On peut plus ce jeu. On peut plus. Make it stop! Rouge de dernière force. Incroyable.
Ça, on va même pas s'en occuper, on va juste attendre, ouais. Non, faut peut-être vraiment que je la tape. Un jour, je comprendrai ce qu'il faut faire avec ce truc-là. Victime. Putain, mais nique ta mère. Ah, il faut 5 PC, putain. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir enlever? Pff, le compte en vrai, il sert à rien. Ah, mais ça redonne des MP. Ouais, bon. Est-ce qu'on voit les... l'XP? Ah, c'est là. Ouais, ça va être long et chiant. Et bon, si c'est nécessaire, on va le faire, hein, c'est tout. Hein. Bravo, bravo, you did it. Come on.
La truffe bleue. Voilà, disparaît. Ah, tu passes de la 6ème à la 4ème place, hein, j'avais jamais capté ça. Chelou. Voilà, tiens. Merde. Oh le bâtard. Ah le bâtard. Mais c'est quoi sa portée de fou là? C'est bon, je peux t'approcher au bout d'un moment ou tu vois? Putain, c'est pas vrai. Tu me casses les couilles, toi. Pire jeu du monde à faire en difficile, vraiment. Prendre des dégâts pour rien, c'est n'importe quoi. Ok. Ouais, victime d'un go.
Dégage, petit bâtard. Chocobo d'acier. Ah, c'est là que tu la gagnes, chocobo d'acier. Ah, ok. Galion, deux pirates, un pirate volant. Ok. Ça va être qui le premier encore? On va être encore un truc de merde. Un V1 contre Hercule. Ouais, super. Merci Sora. T'as bien fait d'ouvrir ta gueule. Putain. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah. Voilà. Oh, ça lagait de ouf. Il a cassé tous les barils. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, j'ai chaud. Hein. Salut Axel, ça va bien? Chier. Facile que prévu en fait. Comment ça va mon petit Axel? Comment ça va mon petit Axel? Comment ça va mon petit Axel? Pff, écoute, hein, c'est la vie. Hein. C'est... Ils ont... Patrick a toujours fait du très beau boulot jusque-là, donc ce serait extrêmement hypocrite de lui en vouloir. Surtout que je pense globalement on la sentait pas la course. Ah, c'est arrivé, hein, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas tergiverser pendant des heures. Il faut quand même se dire que moi je pense globalement on n'a pas le niveau pour être en division 2. Et jusque là on s'en est très bien sorti parce qu'on s'est servi de nos têtes, on a bossé. Voilà. Honnêtement je suis content de ce qu'on a fait jusque là. On a un abandon. Voilà, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Il y a encore les autres courses de toute façon. Donc, voilà. C'est comme ça. On va juste sceller la serrure, pas taper toute la cinématique. Non, mais voilà, presque. C'est comme ça. Hein. On se rattrapera sur Spa. Spa, c'est leur circuit préféré à tous les deux. Donc, ça se passera mieux. Pourquoi j'ai pas la coupe Pégase qui se débloque?
Il y a encore Spa, il y a encore Le Mans aussi. Donc c'est loin d'être fini, hein. On peut encore se rattraper. Tu vois, moi, ce que je voulais, c'était qu'on sorte pas de la Division 2, pas qu'on se fasse reléguer en Division 3. Jusqu'à présent, on est encore en Division 2. Voilà, c'est bien. Attends. Est-ce qu'il faut que je regarde? Pégase. K-H-A. Comment on a accès à la coupe Pégase? Ah, il faut finir monstro, ok. Ok, bon, bah on va y aller. En fait, il était en train de rattraper le mec qui était devant nous. Et à Suzuka, il y a le 130R. Tu sais, c'est le virage à gauche qui se passe à fond. Et bah, ils sont retrouvés à se battre ici. Et bah, Patrick, il a glissé, il a cassé la voiture. Et quand il est voulu rentrer, on avait quasiment 10 minutes de réparation. Et donc ce qu'il a voulu faire, c'était se déconnecter du serveur et se reconnecter. Ça allait un peu plus vite. Sauf que quand il s'est reconnecté, en fait, tout était réparé sauf les pneus. Les pneus étaient morts. Et c'était beaucoup trop dangereux de refaire un tour, en fait, avec des pneus complètement cuits. Parce que ça nous poussait, ça nous mettait dans le risque de nous cracher, nous, encore plus. Et potentiellement d'emmener des gens avec. Donc voilà, on a préféré laisser tomber. On a préféré laisser tomber. C'est comme ça, hein. Ouais, ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. Dire, on peut quand même être assez fier de ce qu'on a fait jusque-là, avec le rythme et les capacités qu'on a, hein, parce que, comme dit, pour moi, on n'a pas le niveau pour être en Division 2. Les gens sont quand même vachement forts, malgré que ce soit que la Division 2. Donc voilà, on s'est toujours bien débrouillé jusque là. Il nous a toujours fait des très bons setups. En tout cas, on était à l'aise avec. Peut-être pas les plus rapides, mais en course, on a toujours été efficace. Donc, voilà. Chacun a le droit à sa petite bourde. Et puis l'avantage, c'est qu'en sim racing, ça coûte pas d'argent. Donc ça, c'est encore mieux, tu vois. Bah, tu vois, je préfère que ça arrive sur une bataille. Tu vois, il a tenté, on avait rien à perdre, il a tenté quelque chose. Donc vaut mieux que ça arrive sur une bataille. Plutôt que ce soit une LMP2 qui te rentre dedans, ou que pire, ce soit juste lui qui soit crashé tout seul, tu vois. Là, il a essayé quelque chose, parce qu'on avait quand même les boules de pas être rapide. Il voulait choper une position. Moi, je préfère les crashs comme ça, tu vois. Il s'est battu, il a voulu faire la course, tout simplement. Et voilà. Après, c'est comme ça, hein. Ah putain, en fait, j'avais pas du tout fini monstro, en fait. You're not Riku. Pinocchio. Pinocchio. Mommy. I'm not gonna make it. Et voilà. Oh. I guess I'm okay. Aussi, on s'en a raconté un mytho. C'est ça, il a pris des risques qui étaient à prendre. Donc c'est pour ça qu'on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. Et puis voilà, ça arrive à tout le monde, hein, d'avoir des soucis. On verra la prochaine course, je pense que Spa, ça se passera mieux. Mais ouais, globalement, on n'était pas trop... Moi, j'étais pas trop confiant pour cette course-là. Pourtant, j'adore, hein, Suzuka, mais... Je sais pas, je le sentais pas. Thank you.
Donc voilà, on verra ce qui se passe à la prochaine course. Pour l'instant, je vais me concentrer sur Silverstone, puis OneLMS. En espérant qu'il pleuve pas cette fois-ci, puisque j'ai vu ce que ça donnait sous la pluie à Spa. Je pense que les gens de ce championnat ne sont pas faits pour rouler dans des conditions difficiles. Mais c'est dingue, franchement. Et le pire, c'est qu'il y a quand même des gens qui roulent au VEC, tu vois. C'est quand même des gens qui sont un minimum expérimentés. Putain, il y a quand même des conneries, mais laisse tomber, quoi. Ouais, GT Challenge lundi soir, mon petit. Il nous a éternué le batteur. Chez qui tu fais l'open? Tu m'avais dit que c'était qui, je me souviens plus. VFR, c'est ça. Faudrait que je participe une fois, juste ça peut être rigolo. Hein. Je pense qu'il faut que j'apprenne à apprécier R-Factor 2 autrement qu'à travers la compétition, quand même. Sinon, un jour, je vais péter un plomb. Surtout si... Surtout si je perds et si j'abandonne. Mais cet été, de toute façon, quand il y aura la pause, là, je vais faire quelques open. Coupe Pégase. Ouais, bon, je vois ce que c'est comme genre de leak. C'est eux, c'est voilà, ils roulent pour le plaisir, tu vois, c'est marrant, c'est rigolo. Ouais, t'en auras toujours, hein, des mecs un petit peu chelous qui font un peu n'importe quoi, t'en auras toujours. Bah bon, faut essayer de faire abstraction, généralement ils vont pas trop vite, tu vois. Donc voilà, faut juste faire attention sur la piste. Il y en avait un comme ça quand je faisais le championnat à l'MP2, à la FFSA, il était lent à la mort. Tu vois, en LMP2, il allait moins vite que certaines GTE, tu vois. Et c'était un danger public, hein. Bah bon, c'était marrant, ça faisait partie du truc, c'était rigolo, quoi. Sauf quand il envoyait quelqu'un... au tas parce qu'il foutait de nimp. Mais bon, c'était marrant. Je sais pas s'ils le font encore, les FFSCA, ce championnat, je pense pas. Ah oui, ils ont dû arrêter. Parce qu'il y a un peu tout le monde qui l'a déserté, les FFSCA. En tout cas, sur R-Factor 2. Après, sur Assetto Corsa Competizione, fonctionne plutôt pas mal. Putain, nique ta mère. T'avais un suite. Ah, c'est plus trop la saison pour porter des suites quand tu roules. Tu vas avoir vite chaud, mon ami. Tu vas avoir vite chaud. Putain, dernière force, ça, il sert à rien, en fait. À moins qu'il s'est désactivé quand je suis mort. Je pense que c'est plutôt ça, en fait. Ah, mais ça qui est bon. Quand tu sues, là, ça veut dire que tu travailles. Mais attends cet été, tu vas voir. L'été, c'est encore pire.
Quand ton air là chez toi là, il est à 1000 degrés, tu fais le moindre mouvement, tu transpires 100 litres d'eau. Ouais, bon, c'est parti du truc. Hein. Un truc que j'aime pas aussi, c'est quand il fait vraiment froid en hiver et que t'as les pieds qui sont gelés. Appuyer sur les pédales, ça fait presque mal en fait. Tout cet hiver avant de rouler, je mettais le chauffage à fond. Et puis je mettais mes pieds dessus. Je me cramais limite les pieds, mais c'était mieux que de rouler avec les pieds froids. Ouais, le bout des doigts ça va parce que je roulais avec des gants. Vu que j'ai un volant en Alcantara. Même si en vrai ça sert à rien parce que je nique quand même mon volant. Ça y est, tu me copies déjà? Putain, c'est incroyable ça. Nice. N'hésite pas à me verser des royalties du coup, hein, comme c'est mon concept, sinon je te traîne en justice. Fungus noir. Pareil, ces trucs-là, je sais pas comment tu les bats. À part taper dessus comme un con. Ça fait 1. Arachnocruche, arachnobail. Mais ça, j'ai pas capté. C'est toi qui a bugué et qui est rentré dans lui? Ou c'est lui qui a bugué et qui est rentré dans toi? Ah, ça a craqué. Mais j'ai regardé, hein, j'ai vu la vidéo. Mais j'ai pas compris qui est-ce qui est rentré dans qui, en fait. J'ai vu, ne t'en fais pas. Ah, putain, non, pas ça. Non. Faut que je dégage Yuffie en premier. Wouah, mais ça fait super mal ces trucs là. Ah,
Ah, en plus elle se soigne. Voilà. Elle a plus que lui. Ça c'est la merde. Ça marche à plus Axel. À bientôt. Où le batteur? Ok, on m'approche pas. Voilà, va te coucher, bâtard. Eh, salut Léo, bah, c'est dommage, Axel vient juste de partir. Ça on peut passer, on s'en fout. Sora, you've grown strong. Mais bien sûr, je suis devenu forme, qu'est-ce que tu crois? Strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Come again? If we stick together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance. With these guys beside me, I'm ready for anything. Bien dit, mon pote. But that's not exactly what... Of course, your friends give you strength. Salut. The three of you together make great heroes. And as a team... Écoute, on est là, hein. On est là, on est là. Faut oublier ce qui s'est passé hier, faut passer à la suite. Équipement... Sora... Âme de héros... Non. Par contre, il m'a lâché un gros mytho. Il m'a lâché un gros mytho, Lilu, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah voilà, c'est bien ce que je me disais, Disco Bolo, ça s'acquiert avec les niveaux. Rien à voir avec... Ah, quoique. Là, je viens d'avoir ça. Dernière force. Attends, je suis niveau combien? On peut la coupe Pégase au Colisée de l'Olympe. Mais c'est ce que j'ai fait. Ce que je viens de faire là. J'ai pas de Disco. Ah si, il est là. Ok. Désactiver. On va activer ça. On va réactiver ça. Ensuite, on va aller chercher le Raphalix. Ta-da-da-da-da.
Ramener les 99 dalmatiens, putain. Comme par hasard. Non, pas ce soir, non. Ce soir, c'est repos. Je recommencerai le sim racing demain. Ah, le mec va courir et tout. Beau gosse. Hein. Ah, moi, je recommence demain. Dimanche, c'est mon jour de repos. Bon, on va aller ramener les Damasiens jusqu'à ce que j'en ai assez pour avoir. Ah oui, je suis loin des 99 là. Très très loin. Complètement craqué. En plus, ça nécessite que 2 MP. Ça marche, bah, bonne course. Et puis, à demain, du coup, demain soir. Ah, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Hein. Faut ça respecter les traditions, quand même. Et où la maison des. Ah, non, elle est là. Non, c'est pas là. C'est où la maison des Dalmatiens, déjà? Je sais plus si c'est là-bas. Passer la scène. Bug Foodrix. Wood Mithril. Normalement, je. Ok. Je dois avoir un truc où je peux voir tous les Dalmatiens que j'ai trouvés. Il m'en manque 1, 2, 3. Ah, j'en ai sauvé que 45, ah, putain. Ville de traverse. Bon, ben, on va déjà essayer de trouver les trois derniers qui restent ici. Pas me lâcher un peu là. Regarde, oh, déjà le coffre là. Non, c'est pas ça. Et ensuite il y a un coffre là-bas. Et le son qui se coupe encore une fois. Et qui revient encore une fois. Ouais, il me semble que dans l'église, il y a des trucs à faire aussi. Il y a un hôtel. Je suis jamais allé dans l'hôtel, je crois. Ah bah super. Ah, dans l'hôtel, tu vas dresser. Ah
chambre rouge. C'est pas là. Chambre verte. Ah, là-bas, y a rien. Ça, c'est la ruelle. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donald, il utilise stop avec abus, j'aime bien. Encore, putain, mais c'est... La chambre bleue, ah non, ça on peut pas entrer. Ça on peut pas entrer non plus. Chambre verte. Mais en fait, y a rien ici. On va retourner dans la ruelle. Voir si on peut trouver mort dalmatien. Oh, si, je crois savoir où est-ce qu'ils sont. Coffre de ce côté-là, ah, ici. Même pas, putain. Ok, et peut-être le coffre là-bas alors que j'ai toujours pas ouvert. Non, on peut pas être ouvert comme ça. Eh ben, on va demander à Internet. Internet, c'est tout, Internet. Il me traverse. Ah, il est chez Merlin. Ils sont chez Merlin. Comment est-ce que j'allais chez Merlin rapidement par là? Encore. Oh, mais tu vas te calmer, oui. Normalement, j'ai toutes les marques trio, donc j'aurais pu avoir de problèmes.
Alors. Merde. Oh non. Je suis obligé de retourner là-bas. Bon, ça, c'est casse-pied par contre. Vraiment. Allez, pousse-toi là. Pour choper le coffre là au passage. Putain, je suis vraiment obligé de monter sur le truc en bois spécifiquement. Tu peux pas me l'ouvrir Oh là là, frère. Fais les choses bien en fait. Wouah! Et je vais pas m'énerver sur un coffre quand même. Mais ouvre-le! Ouais, tout ça pour ça, super. Bon. En vrai, je râle, mais c'est utile. On va s'en servir tout de suite. Ça augmente de 1. Le combo se poursuit, même si ça attaque. Ah oh, putain, oui. Ça, il faut ça. Je vais de nouveau enlever ça, hein, tant pis. Prendre ça, là. Ça, il faut, ça. Ok, ensuite, dans le carnet, qu'est-ce qu'il nous manque comme dalmatien, là ? Traverse. Pays des merveilles. Ouais, le pays des merveilles. Hop, vaisseau. Let's go, le pays des merveilles. On va recommencer depuis le début, hein. Histoire de rien louper. La marque très ouverte, hop. Et un coffre qui tombe du ciel. Un élixir, hop. Sans ses failles. Un petit cul sec. Yo Thibaut, comment ça va? Comment ça au bout? Je t'ai appelé hier, t'as pas répondu, c'est ta faute, tant pis. Oh, une autre marque trio là-bas. Toi, fallait que tu te pointes là maintenant, toi. T'as mal aux dents de sagesse, parce que t'as été sage toi un jour. Je sais, c'était drôle, je sais.
C'est pour ça quoi? Ah oui, que t'as besoin de sagesse, oui. Bien vu. Ouais, faut que je récupère 2-3 trucs là, parce que j'ai passé trop de temps hier à me casser les dents dessus. Et il commence légèrement à me saouler maintenant là. Donc j'ai besoin de... Ah, tout le temps il dort lui. Bâtard. J'ai besoin de récupérer 2-3 choses, histoire de pouvoir finir rapidement sans prise de tête. Ouais, parce que j'aimerais bien passer à la suite, tu vois. Parce que moi c'est pas tellement le 1 qui m'intéressait le plus, mais surtout Kingdom Hearts 2 et Birth by Sleep que j'ai envie de refaire. Même si le 2, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Là, je suis en train de chercher ce qui me manque. Est-ce que c'est pas eux qu'il faudrait soigner? Ok, c'était pas ça. Ah merde, non, c'était pas là qu'il fallait aller. Bon. Après le combat contre la reine de cœur, utilisez les lotus sur votre gauche en arrivant dans la forêt des lotus et sortez de la zone. Lotus sur votre gauche. Right. Bah c'est celui-là. Toi, tu dégages. Oh. Ok. Une potion. Ah, ça marche qu'avec une potion, quoi, putain. Super. J'ai pas de ça, moi. Ah, ça va me gaver de chercher les dalmatiens, je pense. Je pense que c'est en train de légèrement me saouler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller chercher, en fait. On va pas utiliser Raphaelix, tant pis. On va tout de suite aller... On va tout de suite aller régler nos soucis avec... Merde. Acheter des objets histoire d'être bien. Enfin bref, ça se passe les cours sinon. Vaisseau. Crafter aussi tout ce que je peux crafter chez les mugs là. Bon, Lily.
rien crafté de plus en fait. Tant pis. On va aller acheter à boire. Et ensuite, on va aller discuter avec, avec les gens. Salut Gabe Maxi, comment ça va? Ah, il y a du nouveau stuff. C'est moins bien en fait. Putain, je savais que j'aurais dû acheter un truc pour dingo direct. Non, c'est pas grave. Achat, acheter. Blindé des terres, le dingo. On va blinder Donald aussi. Voilà. C'est parti. Tu fais ta première course le 26? Bah c'est cool. Ce sera une course en quoi comme catégorie? Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as pris quoi comme voiture? McLaren 720 GT3. Bon choix, mon ami, bon choix. En vrai, je sais pas ce qu'elle vaut dans Assetto Corsa, mais... Un élixir, ça c'est bien. Déplacer. Méga éther aussi. T'as commencé à t'entraîner déjà ou t'attends un peu? Parce que bon, mine de rien, le 26 c'est dans pas très longtemps. Hein. Ah putain, faut que je me refasse lui. Oh fuck. Tant pis. Hein. Se faire quand même. Come on!
Je vais arrêter de bouger, oui. Ah putain, mais ils vont me cramer toutes mes potions pour lui. No brain là. Arrête de bouger! Voilà. Ah, dôme d'impact, ça c'est une capacité intéressante ça. Putain merde, j'aurais dû leur mettre les objets après du coup. Ah, putain, ils m'ont tout niqué. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, moi j'aurais essayé. J'aurais essayé d'utiliser des objets, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est une course de combien de temps, Game Maxi, que tu fais hein? C'est parti. Ok, bon. Non, pas Simba, putain! Oh là là! Qu'est-ce que je fais avec lui, moi? Ouais, ouais, crie, t'as raison. Elle va crier ailleurs. Bâtard. C'est elle que je veux.
Alors, je sais pas pourquoi je peux pas utiliser le disque bonus. Mais bon. On va peut-être se poser des questions. Il est où le dernier? Ah. Oh, tu vas pas commencer à péter les couilles maintenant, toi. Finalement, c'est même pas Disco Bonus qui pourra le plus aider, c'est mettre des combos en fait. Parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Que Sora ne s'arrête jamais de taper, qu'il tape comme un sourd tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est ce qu'il me fallait finalement. Bon, c'est pas plus mal. What is done, j'imagine qu'ils ont plus rien, qu'ils sont à poil. Moi j'ai rien utilisé donc je vais pouvoir leur redonner. Encore dans la malle. Diego. Petit point de sauvegarde. Un petit chambre. C'est l'heure du combat final. Enfin, des combats finaux plutôt. Des combats finaux, si on veut parler en bon français. En bon français. Destati. Mm-hmm.
This world has been connected. What was that? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Take a look at this tiny place. To the heart seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Riku! Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true. That's not true. It may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. This far, and still you understand nothing. Every light must fade. Every heart return to darkness. Je vois rien du tout. Je me souviens que s'il t'attrape là, quand il dit submit, c'est la sauce pour toi. Ok, ça fait un.
Ça fait 1. Je pense qu'ils ont de nouveau plus d'objets. Ah, si, quand même, ça va. Gringo a gardé le plus important. Ah, mais ça va pas trop m'aider en fait. Ah, quand Liluri me posait la question de qu'est-ce que mon sang-cœur préféré, c'est celui-là. C'est celui qui a le plus de style, je trouve. C'est un peu tôt, je crois. C'est aussi le premier qu'on affronte dans le jeu. Si vous vous souviendez... Voilà, ça fait 2. Ça va être un petit peu plus chaud qu'avant. Parce que j'ai personne pour faire diversion. Et j'ai pas pétale garde non plus. I need to be more attention. Est-ce qu'il me fait reprendre avant? Ouais, il me fait reprendre avant le gros. C'est pas plus mal. Ça, on va se les garder en fait. Ça m'a rien donné du tout. Come on!
Je crois que ça va pas être pour cette fois-ci. J'étais un poil trop greedy. Ouais, j'étais un poil trop greedy. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va repartir bien, nickel. Putain, ils m'ont niqué tous mes objets, quoi. Cette bande de bouffons. Faut rien leur donner, en fait. Que de la merde avec. Alors. Merde. Merde, merde, merde. Ça s'est pas passé à ce planète. Hein. Cette fois-ci, je refais pas demi-tour par contre. On est quasiment à la fin là. On va aller jusqu'au bout, tant pis. Hein. J'aurais juste dû attaquer dès le début plutôt que de mettre du rafale là.
Est-ce qu'il fait juste devoir recommencer le... Bon, il est pas trop chiant, ça va. Devoir recommencer le gros tas à chaque fois, ça, ça fait perdre du temps. Est-ce qu'il serait pas temps de changer l'équipement une énième fois? Mais j'ai rien qui fait mieux en fait, ça. Ouais, j'ai trop... Bon, on va faire avec ça. Ok. Il m'a eu. Putain, s'il m'avait pas niqué tous mes objets là, sous les deux là. Quel bonne de bouffon. Je peux rien leur donner. Take that!
Ok, c'était complètement cheaté, mais bon, c'est pas grave. On va pas dire non. Hein. Je pense qu'on a passé suffisamment de temps à rager sur ce jeu, donc on va... We're gonna move on, boys, gonna move on. Boys and girls. Gonna move on. What? Behold the endless. Behold the endless. As you are able, you'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born, even yours. Darkness conquers all worlds. Ouais, là ça part légèrement en couille là. En termes de dimension, ça part en cacahuète. Ah bon, on aime bien. Giving up already? Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Laser là. Se calme les lasers. Turn to darkness.
Me souvenez pas des petits trucs là. Oh là là. Moi je trouve pas plus chiant que. Il est pas plus chiant qu'Ursula celui-là. Ça. Ça a beau être les mêmes conditions. Je préfère largement ça. La. Ouh, me suis fait avoir. Des petits lasers. Même pas. Ah si. Que faire pour le toucher efficacement Que faire? I need to think. Je me demande s'il n'y a pas d'autres trucs à faire en vrai avant. C'est le seul. Ça vient que après en vrai. Ouais, c'est que après. Faut quand même que je me tape lui une fois. Ah, le dash ça marche aussi en vrai. Juste dash. Oh! Le troisième. Ouais, apparemment, il est mort. Hein. J'ai vite fait. C'est quand même super cher.
extrême pratique. Elle est grande sa perche. Oh, comme toi avec laser là. Un peu plus le taper moi. Vas-y, ça va. Moi je tape quand en fait? Tu me dis? Ouais, il va recommencer le laser encore. Bon, pas juste rusher, faut être patient. Faut y aller. Faut lui manger sa HP petit à petit. Ça va pas être drôle, mais bon. On va faire avec. Welcome in the darkness into your heart. Par contre, par hasard, monsieur Calderon. La magie, ça sert à quelque chose. Qu'on va juste taper. Hein. Gravité, ça marche. Oh, ça va en fait. S'il a arrêté de s'agiter dans tous les sens. Bâtard. Ouais, bon.
pas trop non plus. Oh putain, mais il a la masse de portée. Comme toi, toi. Non, ne te pose pas dessus! Pas un aussi chiant souvenir. Après, c'est peut-être parce que en facile on galère pas autant dans la première phase de lui là. Parce que, spoiler, il a plusieurs phases, hein, sinon ce serait beaucoup trop simple. Eh oui, quand on arrive trop bas, on peut plus descendre. Ouais, il est lourd en fait. Il est super lourd.
Ouais, si je me pose là. Je vais essayer. Mes petites merdes. Trop tard. Descendant, ça marche pas bien. Putain! Au descendant, ça ne fonctionne pas, hein, voilà. Pas que je repasse devant lui, putain. Ouais. Bâtard. C'est bizarre, une fois ça marche en descendant, une fois ça marche pas. Ah bah un truc que je capte pas. Mais crève en fait! Où va terre?
En fait, on peut se poser juste derrière lui. C'est toujours quand je me dis je suis safe pour me heal. Toujours un petit dernier laser en mode hey, qu'est-ce que tu fais là? En fait, c'est les lasers d'avant que je me prends. En fait, il dure super longtemps ce truc là. On a dit pas devant. Ah, parce que les lasers ils se déplacent avec moi aussi. Oh putain, super. Trop ravi. Calmez-vous. Pas s'arrêter. Pas non plus. Ouh, j'ai chaud. Oh, j'ai rien. Oh putain! Ouais, ça va être compliqué. Hein. Donc on va dire rafale, blablabla. Ouais, c'est trop long d'avoir rafale. J'ai pas envie de passer 4 heures de plus dans le jeu. Hein. Donc, on va faire comme les hommes. C'est-à-dire qu'on va se démerder. Putain, mais je comprends pas. Ces putains de lasers. Comment ils bougent ces trucs là? Ok. Oh,
Ah, c'est des lasers de partout. Eh, c'est pas fini! Oui, 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 oui. Eh, c'est pas fini. Quand est-ce que je te tape, mec? Il y en a un qui va me toucher de manière mystérieuse, on va pas savoir pourquoi. J'ai carrément eu de la chance. Mais t'as fini avec tes trucs là, sérieux. C'est super long. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce truc-là? What do I do? Finir aujourd'hui, hein, il commence à m'exaspérer ce jeu un peu plus. Ces mini trucs là, voilà, ça je perds pas de temps à taper dedans. Mais non, je me suis pas fait toucher! Casse-toi avec tes gros bras de merde! Putain de bras à chaque fois. Il me pose dessus, après il tombe sans fin. Mais il vole pas.
On va attendre que ces mini-crottes disparaissent. La 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 la. La dernière. Je pense qu'il doit plus être là. C'est bien, j'ai à peine de revenir à côté de lui. On va de nouveau faire le tour du monde. Ça y est, il spamme les lasers. Putain. Non, mais arrête de te poser partout où tu veux là, ça suffit. Putain, il y a trop d'endroits où tu peux te poser, c'est chiant ça. Ok, non, c'est reparti en fait. Hein. Moi je peux en m'approcher à un moment ou... Ah non, il recommence en fait. Mais pourquoi il me touche ces putains de lasers? Je comprends même pas. Ça n'a pas de sens en fait. Je vais passer le combat à faire le tour de lui là. Sérieusement? Oh, tu peux même pas parer, tu peux rien faire. C'est chiant putain. J'imagine que stop ça doit pas marcher. Ça aurait été trop beau. Ce jeu m'épuise mentalement. J'en ai juste ma claque, je m'amuse même plus. J'ai juste marre. Ah, on a dit pas devant. Come on.
seul truc que je vois là, c'est de réussir à me poser avant qu'il spamme les lasers comme un ouf et de spammer le disco boss. J'aurais jamais assez de MP pour faire ça. Essayer, hein. Non, je me suis pas posé au bon moment. Ouais, c'est bien. Un moment, tu dois poser à celle-là. C'est une solution. Ça vaut ce que ça vaut. Merde. Oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça m'énerve. À part me barrer, on peut pas les renvoyer ces trucs-là. Il y a pas grand-chose d'autre à faire en vrai. Confused, then perhaps this will light.
Oh, ça va être long, putain, ça va être long. Ça va être long. Qu'est-ce que ça va être long, putain de merde. Putain, mais c'est quoi sa portée de fou malade, là? Je fais n'importe quoi. Il va me falloir un petit peu de chance. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est les petites merdes là. Ouais, il vient de la voir disparaître. En fait, en s'éloignant, en fait, ce sera... Faut s'éloigner, en fait. Mais bon, là, je... Ah, putain. Pas trop m'éloigner non plus, quoi. C'est reparti.
Sinon, on va être patient, tant pis. Ça va prendre 4 ans, mais bon. En fait, les boules et lasers, ils restent vachement longtemps. Super, le jeu vidéo, hein, trop bien. On s'amuse bien. Il est inapprochable en fait. Et en fait, il spam le truc. Jamais je vais l'approcher, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce truc-là? C'est marrant que j'ai Disco Polo, je peux pas... Bon, tu me diras, les autres, je peux pas les déclencher non plus, hein, en étant en train de voler. Par spam la magie, je peux pas faire grand-chose de plus. Hein. Bon, comme à chaque fois, faut que je me heal et que j'ai plus d'MP. Comment j'ai fait pour battre ce truc là quand j'avais 10 ans quoi? Bon, j'étais pas en difficile mais... Quand même! Come on!
J'arrive à me poser, faut que j'arrive à me poser. Non, disco blues, disco blues. Oui. Merde. Ah, ça le touche quand même. Ouais, peut-être trouver un truc. Non, il va falloir faire ça. Putain non, j'ai pas ciblé le vent. Putain, je l'ai ma parade, mais je peux plus le faire maintenant. On va se mettre au bon endroit par contre. Ça, ça ne le touche pas. Ok! Bon, cherchant un peu, finis toujours par trouver un truc. Même si je dois avec là, c'est un petit peu exagéré quand même, mais bon. L'idéal, ce serait que je me fasse pas toucher du tout. C'est quand vous voulez les mini-crottes pour disparaître là. Merde. Ça, je pourrais le recharger avec les quelques coups que je lui mets. On a dit pas devant. C'est déjà mort, on peut se faire toucher. C'est beaucoup trop longtemps ces putains de trucs. Putain, pourquoi je me mets devant? Faut pas se mettre devant.
Ah, ça le touche plus. Combien de temps ça dure? Mais arrêtez! Non. Pas le moment. Mais je monte super haut. Pas faire de demi-tour sauvage comme ça. Si je descends comme ça, normalement, ça ne touche pas. Essayer de rester comme ça. Hein. Caméra va me niquer. Encore une fois. Aussi, du coup, ça va pas me toucher. Non, ne fais pas de conneries maintenant. Dégage! Putain. Wow. Il reste encore deux parties, il me semble. Ah, là, il va dans son lit, il est fatigué. Il est fatigué. Ah, il va faire dodo.
Kaboom! Il y a plein de petits trucs à casser. Dans le petit portail. Petit moment de calme, hein. Je tiens à préciser. Non, je passe rien. Sora! Ah, t'as des objets encore, toi? Bien joué. Et le MVP. Même si des fois tu fais un peu de la merde. Ah, on récupère des objets, ça c'est bien. On va récupérer toutes les petites boules là. On va récupérer ça aussi là-bas. Très bien. Maintenant, faut qu'on aille chercher dans la route. Ah maintenant, c'est la tête qu'on a tapée. Ah, il y a les petits trucs avant là. Est-ce qu'il y a deux trucs? À part se prendre les trucs, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc on va faire ça. Hein. Ah, attends, il y a encore des petits gags là. Attends, il doit y avoir aussi des trucs là, non? Peut-être.
Je comprends pas trop ce que je dois faire là. On va pas me dire que tu peux que juste faire. On trouve un safe spot à peu près. On va se remettre là, hein, c'était pas mal. Ah, Mango is back. Chercher Donald. Dans les ténèbres. Dans déclenchement le. Ok. Le disco boulos ne se déclenche pas. En fait, je vois que ça marche pas sur les ennemis volants. Qui me sert plus à grand chose. Du coup, je vais juste souffrir fort. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas assez d'MP. Ok, nous sommes de nouveau trois. Dis-moi que tu vas exploser. Kaboum! Voilà, très bien ça. Et maintenant, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je pense qu'il va ressortir de son cimetière. Là. Ah non, même pas. On peut attaquer directement le corps. Bien sûr, elle va nous en empêcher, hein, forcément. Est-ce que je peux lancer Disco Blow, ça? Oui. Il va exploser. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Tell me what we have to do, we got to do, because we need to do what we got to do. Ça y est, il sort. Il a fini de faire dodo. Oh, ça sent le gros rayon laser, ça. Ok. Wow. Oh. Ouais, ça me donne des dingos.
C'est quoi ça? What have I on me? On n'a plus aucun d'entre nous qui a des objets. Oh, il m'a enlevé ma magie! Le petit bâtard. Merci Donald. Là, j'en ai besoin. Qui permet de soigner. Il me sèche mes MP. Ah putain, ouais, c'est chaud. On est en train de me sécher mes MP très fort, même. C'est quand vous voulez pour réveiller les bougs. J'avoue que ce serait bien de réussir là quand même. C'est fini! Ah, la douleur de ce truc. Kaboum! Kaboum! Vas-y, pousse. Pousse mon bout. Pousse mon bout. Ça sent pas bon.
Et voilà, c'est fermé. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle, en vrai ? Comment elle est arrivée là ? Pas de question, ça, hein ? Si, je sais pourquoi elle est là maintenant, je comprends. Parce que tu pensais que j'allais pas finir le jeu, mais toi t'es qui en fait? T'es qui en fait? Dis-moi, t'es qui pour me juger comme ça? T'es qui en fait? Bien sûr, j'ai fini, tu crois quoi? Bien sûr, j'ai fini. Non, j'ai pas passé 2 heures sur le dernier boss, mais bien sûr, j'ai fini. Il fout celui-là. Elle est stylée, mais je préfère celle de Burst by Sleep. Elle est picobello. J'ai encore trouvé une astuce de trafiquant pour faire le dernier boss, mais c'est pas grave. Ah, on trafique, on est là, hein. Tu connais. Du coup, on va pouvoir passer à mon jeu le que je déteste le plus, du coup. Bon, on verra ça. Ouais. Peut-être plus tard dans la journée si madame est d'accord. Sinon, ce sera demain matin. Parce que j'ai vraiment pas. Genre, quand je te dis que j'ai pas envie de le faire, c'est que je vais le faire en facile. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit fait le plus vite possible. Parce qu'il me saoule. Ce jeu. Ah, je te jure. Je te jure. Après. Le 358 SH2D, comme c'est que les cinématiques, on va les regarder en live. Comme ça, moi, je pourrais les garder sur YouTube si j'ai envie de la re-regarder un jour. Voilà. J'aurais pas besoin de lancer du jeu, c'est pratique. Et merde. Bâtard. Et puis après, on pourra passer à un vrai jeu Kingdom Hearts 2, tu vois. Enfin.
Ah, cette partie-là, on peut pas la passer, merde. Bon, attends, on va faire... Merde. Your future doesn't scare me at all. I think... Ils m'ont pouiné alors qu'on allait voir juste une fois, on lui a même pas dit bonjour, on a fait frère, t'as pas du miel. Il avait pas de miel, du coup on est parti. C'est pas sympa hein, de faire genre qu'on est pote avec Mouni alors qu'en fait on l'a pas calculé de tout le jeu quoi. It doesn't scare me at all. Ouais, puis c'est un contenu additionnel, donc quand tu veux faire l'histoire, t'as pas trop besoin de le faire, quoi. Le livre de Winnie, je trouve qu'il est mieux fait dans le 2, il a plus d'intérêt. C'est plus fun à faire, quoi, parce que c'est des mini-jeux, en fait, du coup, c'est rigolo. Mais dans le 1, j'ai... Si, je crois que dans le 1, c'est quand même des mini-jeux, mais il faut tellement faire de détours pour chercher les pages que t'as pas envie, en fait. C'est juste relou. Ouais, je suis parti chercher le Disco Bolos, là, parce que ça me saoulait trop, je passais trop de temps là-dessus, là, je voulais terminer. Après, je voulais chercher Rafale X, mais quand j'ai vu qu'il fallait choper tous les Dalmatiens, ça m'a saoulé, en fait. J'y suis allé avec les biceps, tu vois. C'est passé, en fait. Le truc qui m'a sauvé la mise, c'est Maître des Combos. Ça, c'est cheaté, en vrai, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Ça, je crois qu'on peut le passer, du coup. Même pas ? Non. Bon, attends. Mais je pense que je mettrai Kingdom Hearts 1 100% en sub-goal. Comme ça, bah, le jour où on l'atteint, bah, je finirai tout. Enfin bref, il y aura plein de sub-goals avec les Kingdom Hearts. Ils finiront en critique, ils finiront ci, ils finiront machin... que je continue à péter des gros plombs comme un bâtard. Parce que mine de rien, même moi, ça me fait rire, en fait. Mais même si sur le moment, je rigole pas, après, je me fais rire seul. Ah, les bâtards! Par contre, la petite cinématique qui a là-dedans, ça, ils ont pas fait un portage. Hein. Du coup, c'est qualité PS2 dégueulasse. Ah, les petits bâtards. Ouais, mais comme j'ai dit, je vais profiter du mois d'avril comme je bosse quasiment pas pour faire toutes les histoires. Et après, je ferai les 100%. Parce que là, si maintenant je me mets à faire cash 1 en 100%, j'en ai au moins pour une semaine de plus et on sera déjà à la moitié du mois, tu vois. Alors que, voilà, je sais qu'il y a des jeux, ça va aller vite. Genre Birth by Sleep, ça va aller relativement vite. Même s'il y a... 5 histoires à faire, elles sont pas super longues, donc ça va. Le 2, il va être un peu long. Le 3 aussi, il va être un peu long. Et Dream Drop Distance, par contre, je sais pas du tout, parce que j'ai jamais fait. Même là, si je fais que les histoires, je sais même pas si j'aurais fini avant la fin du mois, je pense pas. Mais bon, voilà, quoi. On va se concentrer déjà là-dessus. Après, on pourra faire des défis rigolos, ça y a pas de problème. Pour l'instant, je vais rentabiliser mes 160 balles. Ce mine de rien, ça fait mal quand même. Mais bon, c'est pour la bonne cause, donc ça. Bah là, Kingdom Hearts 1, je suis à 21 heures de jeu, hein, donc... Non,
Chain of Memories en facile, ça va être vite fait. Ça va être vite fait aussi. Il y a juste que il y a des phases qui vont être chiantes, quoi, c'est tout. C'est surtout le 2 et le Dream Drop Distance que je crains en termes de longueur. Parce que le 2, mine de rien, il est quand même vachement long. Hein. Parce qu'il faut revenir plusieurs fois dans les mondes et tout. Donc, Moi, généralement, c'est aussi l'avantage de pas farmer quand je fais les Kingdom Hearts, c'est que je finis les jeux très très vite en fait. Quand ça passe. Là, je suis à. Ouais, je crois que je suis. Ah, si, je dois être passé à 22h du coup, avec le dernier boss. Donc voilà quoi. Mais je fais ça tout le temps. Même quand j'étais encore un fervent fan de Pokémon, mon objectif c'était toujours de finir les jeux en moins de 24 heures de jeu. Je dois être un des seuls mecs qui se pointait à la ligue avec des Pokémon niveau 40. C'était pas très intelligent, mais bon. Ça passe. Ça va. Après, dans les dernières versions, tu prends tellement d'XP par les combats que t'arrives à la ligue, tu casses tout. C'est moins drôle, même. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Et même encore dans les premières versions, en vrai, ce qui fait défaut, et ça n'a pas de sens de dire ça, mais en fait, c'est trop vrai parce que j'ai fait le test. Ce qui fait défaut, ce qui te pousse à devoir farmer, c'est que t'as plusieurs Pokémon en fait. Mais si t'en as qu'un seul, bah tu farmes pas. T'as pas besoin de farmer. Parce que j'avais fait Pokémon Emerald avec juste Ludicolo. Bon, j'ai dû trafiquer un peu des fois parce que pour battre des Pokémon dont j'avais pas la faiblesse, c'était chaud. J'ai fini le jeu en 17 heures. Donc ça allait très vite en fait. Ça allait très très vite. Et j'ai quasiment pas farmé. Hein. Je m'arrangeais juste pour rencontrer le plus de dresseurs possible. Et puis voilà, tout simplement. Donc, non, là où ils ont bien joué Pokémon, c'est qu'en fait, le truc qui te pousse à farmer, c'est le fait que tu captures des Pokémon. Sauf que capturer des Pokémon, c'est le but du jeu, en fait. Du coup, là-dessus, ils sont pas mal... ils ont été pas mal intelligents, c'était pas mal intelligent. Ça y est, j'ai fini. Whoopi. Alors normalement, il y a encore une fin après la fin. Voilà. King Mickey. But where do we start looking for that there door to the light? That there door to the light. J'ai dit au début du stream, enfin au début du let's play. Plutôt, c'est le mec. Si tu sais pas, tu demandes à Plutôt, mais il te répondra pas. Mais lui, c'est. Donc, essaye de comprendre ce qu'il te dit et puis tu vas trouver. En vrai, ça m'aurait même pas étonné si Plutôt c'était le méchant, le vrai méchant des méchants, tu vois. Mais bon. Petit spoil, ce n'est pas le cas. Ça reste quand même un chien, faut pas pousser. Et voilà. Ah, ils te le mettent. Ah, c'est bien ça. C'est
C'est bien, c'est bien. Anna, il se regarde bien, ça. Regarde bien. Ça avait retourné le monde, ça, à l'époque. Parce que déjà, pour avoir Final Secret, il fallait chier un peu. Mais bon, là, dans la Final Mix, elle est tout de suite là. Tiens, alors, les stats de fin de partie. 5 heures vaincues, 2000. Putain, je suis mort 219 fois. Ah, ce tryhard, mon dieu. 59 objets utilisés. J'ai utilisé moins de 5 objets sur tout le jeu. KO des compagnons 328 fois, sort de soi sur un compagnon 19 fois. Bon. Bon, voilà. Nickel. Oui, quelle heure? Ça va être l'heure d'aller faire à manger. Ça va être l'heure d'aller faire à manger. Sauvegarder. Y a pas un truc qui est censé montrer que j'ai fini le jeu? Non. Ah, tu vois, même pas 22h, 21h10 de jeu. Donc ça va vite, hein. Quand tu farmes pas, ça va très vite. Mais à mon avis, il m'a enlevé le temps de jeu qui est relatif à tout ce que j'ai fait avec le boss, là. Bref. Sur ce, je vais négocier avec madame pour commencer l'autre. Let's play cet après-midi. Et je vous le dis peut-être à tout à l'heure, sinon à demain matin.